Alors, je ne suis pas seul aujourd'hui, en effet, puisque à mes côtés se trouve Vassiliki, que j'ai rencontré ici même, hein, puisque il y a quelques séances, vous étiez dans le public, et vous m'avez très très gentiment proposé de me prêter votre voix en grec pour des lectures des poèmes de Ritsos. Alors vraiment, je vous en remercie et je suis très heureux qu'on puisse faire entendre la langue grecque dans cette conférence consacrée à l'une des plus grandes figures de la poésie grecque du XXe siècle, mais tout simplement une des voix majeures de la poésie universelle. Hein, ça va sans dire. Quand nous avons fixé cette conférence, je n'imaginais pas qu'elle aurait lieu 48 heures après un rendez-vous électoral européen. Et je trouve que elle tombe bien. Voilà. Cette conférence tombe très bien 2 jours après cette échéance électorale, puisque nous allons parler de la Grèce, bien sûr, et parler de la Grèce, c'est aussi aujourd'hui parler de l'Europe, et parler d'une œuvre littéraire du XXe siècle, c'est parler d'aujourd'hui. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par quelques citations de Yanis Ritsos. Je recueillais alors des coquillages brillants et des galets multicolores sur le rivage de notre île pour voir tes yeux sourire et pour ensorceler ton cœur qui se fondait sans bruit dans la détresse du monde. Mais tu ne savais pas rire. De tes larmes, j'ai fait des ailes. Cet extrait d'un livre dont je vous parlerai tout à l'heure, intitulé Le chant de ma sœur. Seconde citation que je vous livre. Mes chers semblables, comment pouvez-vous encore vous courber? Comment pouvez-vous ne pas sourire? Ouvrez les fenêtres. Le monde resplendit, infatigable, qu'il soit regardé. Troisième citation, ne pleure pas sur la Grèce quand elle est près de fléchir avec le couteau sur l'os, avec la laisse sur la nuque. La voici qui déferle à nouveau, s'affermit et se déchaîne pour terrasser la bête avec la lance du soleil. Cet extrait des 18 petites chansons de la patrie amère. Et puis, ces vers tirés de Grécité. Dans ce pays, le ciel ne diminue jamais un seul instant la flamme de nos yeux. Dans ce pays, le soleil nous aide à soulever le poids de pierre que nous avons toujours sur nos épaules. Et les tuiles se brisent net sous le coup de genoux de midi. Et je poursuis ce florilège de citations par la lecture d'un poème, intégralement, un poème intitulé Explication nécessaire, poème dont je vous ai un peu parlé la semaine dernière en présence d'Anne Billon. Explication nécessaire. Il y a certains vers, parfois des poèmes entiers, moi-même, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Ce que je ne sais pas me retient encore. Et toi, tu as raison d'interroger. N'interroge pas, je te dis que je ne sais pas. Deux lumières parallèles venant du même centre. Le bruit de l'eau qui tombe en hiver de la gouttière pleine ou le bruit d'une goutte d'eau tombant d'une rose dans le jardin arrosé doucement, très doucement, un soir de printemps, comme le sanglot d'un oiseau. Je ne sais pas ce que veut dire ce bruit. Pourtant, moi, je l'accepte. Les choses que je sais, je te les explique. Je ne néglige pas, mais les autres aussi s'ajoutent à notre vie. Je regardais son genou plié comme elle dormait, qui soulevait le drap. Ce n'était pas seulement l'amour.
Cet angle était la crête de la tendresse, et l'odeur du drap, de la propreté et du printemps complétait cet inexplicable que j'ai cherché en vain encore à t'expliquer. Voilà, ce poème « Explication nécessaire » nous dit que la poésie ne gagne pas toujours à être expliquée, qu'elle est la partie liée au mystère de la vie et de la mort, et qu'elle est un chemin qui débute dans le visible, mais se poursuit dans l'invisible. Alors il se trouve que le grand poète grec qui a écrit cela, Yannis Ritsos, est aussi quelqu'un qui a réussi à se faire comprendre par le plus grand nombre. Tout le monde, je crois, en Grèce, connaît Yannis Ritsos. Les enfants apprennent ses vers à l'école, les vieux dans les villages connaissent les poèmes qui ont été mis en musique par Mikis Theodorakis. Donc il est une figure, on pourrait dire une figure nationale. Il appartient à l'âme grecque qu'il a lui-même tenté de définir en forgeant notamment un terme dont je reparlerai tout à l'heure, le terme « romiosini », qui est un mot difficile à traduire, mais que Jacques Lacarrière a traduit par le terme de « grécité ». Alors, qui est ce poète? D'où vient-il? Faisons connaissance avec lui, si vous le voulez bien. Yannis Ritsos est né en Grèce, à Monemvasia, au sud-est du Péloponnèse. Alors voilà, une photo très ancienne de l'endroit où est né Yannis Ritsos, sur cette presqu'île de Monemvasia, une sorte de forteresse naturelle, un grand rocher escarpé, forteresse de sa naissance. C'est là qu'il est né le 1er mai 1909. Bon, des poètes qui rêveraient d'être nés un 1er mai, j'en connais beaucoup. Hein? Voilà. Lui, il est né le 1er mai 1909 à Monemvasia, au sud-est du Péloponnèse, en Laconie, dans une famille, c'est pas une famille de pêcheurs pauvres, c'est une famille de riches propriétaires terriens. Lorsqu'il naît, son grand-père, le patriarche de la ferme, donne du travail à peut-être une centaine de laboureurs. Donc il faut imaginer des terres à perte de vue. J'imagine des champs d'oliviers, des cultures, une ferme fortifiée qui est au-dessus de cette presqu'île, et puis un domaine qui vient de loin, puisque les origines de la famille Ritsos, en fait, ce sont d'anciens patriciens vénitiens qui se sont enrichis et qui se sont installés là il y a plusieurs générations. Donc tout prédestine le jeune Yannis, qui est le plus jeune d'une famille de 4 enfants, à devenir, comme son grand-père ou comme son père, propriétaire terrien, vivant sur ses terres, assurant la continuité, la transmission d'un héritage qui, mon Dieu, l'a fait naître avec une cuillère en argent entre les orteils. 16 ans plus tard, disons dans les années 20, dans les années 24-25, Yannis Ritsos se retrouve seul dans les rues d'Athènes avec sa sœur Loula, obligé de chercher des petits boulots pour ne pas mendier sa vie, pour ne pas tendre la main et mendier. En 15 ans, il a tout perdu. De ce royaume de l'enfance qu'il a vu naître enfant privilégié, il ne reste strictement rien. Et la vie qui s'offre à lui, la vie qui s'ouvre devant lui, est une vie qui sera extrêmement difficile. Alors, que s'est-il passé? C'est cela que je veux vous raconter en quelques mots. Parce que si on ne connaît pas cette enfance, cette adolescence frappée par une sorte de malédiction, on a du mal à entrer dans l'œuvre de Yannis Ritsos. Que s'est-il passé? Eh bien, d'abord, en 1910, un an après sa naissance, le grand-père, le patriarche
est assassiné sur ses propres terres par des brigands qui veulent lui prendre le peu d'argent qu'il a dans les poches. Et la mort de ce patriarche, c'est comme la serrure d'un château qu'on aurait fait sauter, voyez. Le vent du malheur va s'engouffrer dans la maison et rien ne lui résistera. Cette malédiction est en fait une triple malédiction. C'est d'abord la maladie, puisque une grande partie de la famille de Yanis Ritsos va être décimée par la tuberculose. La même année, à 2 mois d'intervalle, sa mère meurt, il a 10 ans, et tout de suite après ou tout de suite avant, je suis parfois un peu fâché avec la chronologie, c'est son frère qui meurt également de la tuberculose. Et puis ses cousines, sa grand-mère, certains de ses oncles et tantes. Seconde malédiction, la folie. Le père de Yanis Ritsos sombre dans l'alcool et la folie du jeu. Et il va jouer au jeu d'argent la totalité des biens familiaux. Alors au début, évidemment, c'est assez facile. On vend un hectare d'olivier. Et puis on finit par vendre la ferme ou les fermes. C'est exactement ce qui va se produire. Il ne restera de l'immense domaine que la maison, celle que Yanis Ritsos appellera la maison morte. On retrouve l'image de cette maison morte dans de nombreux poèmes. Le père, au fond, va annihiler en 2 décennies des siècles d'intelligence patricienne et de sens de l'économie. Voilà. La maladie, la folie, et puis la ruine économique. Et la ruine économique est liée aussi aux crises, à la crise, mais aux crises que traverse la Grèce à cette époque. Parce que pour la Grèce, c'est aussi, comme pour la famille Ritsos, une époque de très grandes difficultés, une chute un peu comme... c'est un peu grandiloquent de la comparer à celle de Byzance, mais c'est un peu cela quand même. N'oublions pas que dans les années 20, ce sont des massacres en Asie mineure qui vont jeter des centaines de milliers de Grecs sur les routes de l'exil, que les provinces sont traversées par de pauvres gens, et que tout cela déséquilibre profondément l'économie de ce petit pays, qui est un petit pays pastoral. Hein ? Mais la Grèce est toujours un pays pastoral, est encore aujourd'hui un pays pastoral. Alors vous voyez, je n'entre pas davantage dans les détails, mais la mort rôde autour de la maison Ritsos et rien ne lui résiste. Les seuls survivants de cette tragédie familiale sont Yanis et sa sœur Loula. Sa sœur Loula, il faut en dire un mot, elle a 1 an de plus que Yanis Ritsos, elle le protège. Elle le protège comme une grande sœur protège son petit frère. Et il y a, j'ai lu récemment dans un livre que Loula a écrit et dans un autre livre qui reprend des cartes postales, une correspondance qu'ils se sont échangées. Ça a été publié récemment en Grèce. J'ai lu des choses très intéressantes parce que j'ai appris par exemple que la grande sœur Loula, qui est une petite fille, protège son frère, elle montre un visage serein, mais la nuit, elle descend au bord de l'eau et elle va pleurer toutes les larmes de son corps avant de remonter, s'endormir à côté de lui dans la maison familiale. J'étais frappé par l'image de cette petite fille qui descend au rivage une fois la nuit tombée, on l'imagine assez bien, et qui va pleurer face à la mer, avec, elle le dit parfois, le désir de sombrer dans l'eau, le désir de se jeter à l'eau. Voilà. Cette image m'en rappelle une autre,
Longtemps plus tard, devenu adulte, Yanis Ritsos se trouvera notamment dans différents camps de déportation sous la junte militaire, notamment le camp de Léros ou le camp de Makronissos. Et il est interdit d'écriture, il se lève la nuit, il va au rivage, tandis que ses camarades de détention dorment. Il trouve ce qu'il peut trouver pour écrire, morceaux de papier, enfin, ce qu'on peut imaginer. Et il écrit des poèmes. Il écrit chaque nuit, avant l'aube, un poème qu'il enferme dans une bouteille cachée dans le sable ou dans la terre de l'île. Ces poèmes, mis dans des bouteilles à la terre, ce ne sont pas des bouteilles à la mer, mais mis dans des bouteilles cachées dans le sable, ont été publiés sous le titre « Journal de déportation ». C'est un livre magnifique que je vous recommande. Voilà, mais il y a entre ces deux descentes au rivage de la petite sœur et du poète quelque chose d'un peu similaire. Et dans les deux cas, il y a la recherche d'un exutoire, d'une libération, pour l'une peut-être par les larmes et l'émotion trop contenue, et pour l'autre évidemment par la poésie. Alors nous en arrivons au premier livre, et en particulier à Symphonie du printemps, qui est un texte qui était resté inédit, il n'avait jamais été traduit. C'est un texte de 1938 qui n'a été traduit que récemment pour cette édition en français. Donc il est resté plus de 70 ans inconnu du lectorat français. C'est un texte de jeunesse qui appartient au fond à une trilogie que je me suis engagé à publier, Symphonie du printemps, Le chant de ma sœur, et le troisième sortira au mois de décembre 2014, La marche de l'océan. Trois titres qui ont été écrits en trois années et qui constituent les trois grands chants lyriques de la jeunesse de Yanis Ritsos, qui n'a pas 30 ans. Alors, pour comprendre la genèse de Symphonie du printemps, il faut savoir que en 1926, alors qu'il vit à Athènes très misérablement avec sa sœur Loula, le jeune Yanis, un matin, se rend compte que lui aussi, il crache du sang, et il se rend compte qu'il est lui aussi atteint de la tuberculose. Il va passer plusieurs années enfermé dans des sanatoriums. Alors, les sanatoriums, il faut que je vous raconte deux choses. La première, c'est l'expérience, mais il me semble l'avoir déjà évoquée devant vous. Faites-moi signe si je me répète. Il va aller au sanatorium de Rania, enfin de Lacanée, en Crète. Il y reste quelques semaines, quelques mois, et il découvre des conditions de vie absolument effroyables. Les malades sont obligés de mettre des sacs en plastique au-dessus de leur tête quand il pleut, parce que la toiture fuit. Il n'y a pas de carrelage ou de pierre au sol, les chambres sont à même la terre battue, les mouches, les rats, la boue, les conditions d'hygiène sont absolument épouvantables, et le sanatorium ressemble à ce qu'il est, c'est-à-dire un mouroir. Le jeune adolescent, qui est encore Yanis Ritsos, va profondément s'insurger contre cela. Il va écrire un article qu'il ira lui-même déposer au journal de Lacanée. Cet article va être publié dans les jours qui suivent. Et la publication de l'article dans le journal local va entraîner la fermeture du sanatorium. Voilà donc un jeune écrivain qui livre ses premiers textes et qui découvre le formidable pouvoir d'intervention de l'écriture dans la réalité. Dès lors, il sera tout au long de sa vie solidaire des plus déshérités, des paysans, des ouvriers, des petites gens, des pêcheurs, des hommes sans histoire. Et je crois que tout au long de sa vie, il ne cessera de vouloir écrire pour eux et non pas pour ses confrères écrivains. Second récit. Dans un autre sanatorium où il va séjourner très longtemps, du côté d'Athènes, Yanis Ritsos découvre à la fois l'amour
et un idéal de vie dont il ne connaissait pour ainsi dire rien, lui qui est né dans une famille plutôt privilégiée, ennoblie. Il va découvrir la pensée communiste, il y voit un espoir pour le monde, et tandis que la dictature du général Pangalos, je crois qu'il est arrivé au pouvoir en 1925, tandis que cette dictature purge l'administration des communistes, des intellectuels, des révolutionnaires qui l'ont soi-disant infiltré, Yanis Ritsos est en quelque sorte protégé par sa maladie puisqu'il se retrouve dans le huis clos d'un sanatorium où il a le temps de lire, d'écrire, de découvrir une pensée qu'il ne connaît pas et de tomber amoureux d'une jeune femme pour laquelle il écrira d'ailleurs de nombreux poèmes et une partie de ce texte intitulé « Symphonie du printemps ». Symphonie du printemps est donc, si vous voulez, la réponse que ce jeune poète apporte à la crise terrible dans laquelle il vit, crise personnelle. Il a pensé plusieurs fois mettre un terme à ses jours. Crise politique, c'est le début d'un régime dictatorial qui va durer, évidemment, vous le savez, pendant une grande partie du XXe siècle. Crise d'espérance, et voilà, à laquelle il répond par la poésie. Symphonie du printemps est écrit sur le mode d'un bouche-à-bouche vital avec la vie, avec le monde. Il est écrit dans l'urgence de ce corps à corps avec la vie. Et vous allez l'entendre dans un instant, c'est un texte dont le lyrisme est explosif. Le lyrisme de Ritsos, à cette époque, est comparable au pollen longtemps contenu dans un printemps trop froid qui d'un seul coup explose. Ça ressemble un peu à ce qui se passe ici même aujourd'hui. La vie onirique, l'imaginaire, vole au secours de la réalité. Et Symphonie du printemps doit être lue comme une tentative de libération par l'imaginaire. Je rappelle qu'il n'a pas 30 ans quand il écrit ce texte. Il parle d'ailleurs de ces 28 avril, de ces 28 avril qu'il a vécu. Et ce texte inspirera Mikis Theodorakis, grand compositeur grec, qui en fera sa 7e symphonie. Alors, je propose d'abord de montrer une photo de Yanis Ritsos à cette époque. Vous verrez au cours de cette conférence son visage changer. On a la chance d'avoir pas mal de photographies de lui. Et puis de vous faire découvrir en grec, puisqu'il s'agit d'une édition bilingue, le premier chant. Ce premier chant dont je vous lis quelques vers en français. Je quitterai le blanc sommet enneigé qui réchauffait d'un sourire nu mon infini isolement. Je secourai de mes épaules la cendre dorée des astres comme les moineaux secouent la neige de leurs ailes. Ainsi un homme, simple et intègre, ainsi tout joyeux et innocent, je passerai sous les acacias en fleurs de tes caresses, et j'irai becquer la vitre rayonnante du printemps. Je serai l'enfant doux qui sourit aux choses et à lui-même, sans réticence ni réserve. Comme si je n'avais pas connu les fronts mornes des crépuscules de l'hiver, les ampoules des maisons vides et les passants solitaires sous la lune d'août. Un enfant. Voilà ce premier chant que vous avez sous les yeux en grec. Et nous allons maintenant
entendre une partie du troisième chant de cette symphonie du printemps, dont je dois dire encore qu'il s'agit d'un très long poème composé de 27 chants. Mais alors c'est écrit à la manière des Grecs de l'Antiquité. C'est un long chant ininterrompu. Κοίταξε αγαπημένη πως ακοιτούν τα λυπημένα χέρια μου. Σαν δύο παιδιά ορφανά που κλαίγαν μες το βράδυ χωρίς ψωμί και κοιμηθήκαν τρέμοντας πάνω στο χιόνι. Κρύωναν, μα δεν επετούσαν. Κρατούσαν ένα λουλούδι σιωπηλό και παίζαν τρυφερά και αδέξια στους ραγισμένους δρόμους. Αγαπημένη, κοίταξε πως διστάζουν τα ανοιχτωμένα χέρια μου. Πώς μπορεί να ανοιχτεί αυτή η θύρα του φωτός για μένα που δεν γνώρισα μήτε τον ίσκιο μιας μαρμαριγής. Στέκω απ' έξω στο ψύχος, δηλώς, και κοιτώ τα μεγάλα παράθυρα, τα φωτισμένα ρόδα και τα κρίσταλα. Κι όλο λέω να κινήσω να φύγω προς τη γνώριμη νύχτα. Κι όλο λέω να έρθω. Κι όλο στέκω έξω από τη θύρα σου. Μη με καλέσεις ακόμη. Ας παρατείνουμε αυτές τις θώρες, τις θαμπές, τις υπερπληρωμένες, που δύο κόσμοι ανταμώνονται, που δύο βαθιές φωνές ζυγιάζονται πάνω σε μια χορδή αργυρή και μια σταγόνα δρόσου σκυρτά και ταλαντεύεται στάνθος της νύχτας. Εδώ θα μείνει, εκεί θα πέσει. Αγαπημένοι, τι προετοιμάζετε για μας μέσα στο βλέμμα των Θεών πίσω από αυτή τη φωταψία? Regarde ma bien-aimée comme te regardent mes mains attristées. Tels deux enfants orphelins qui pleuraient dans le soir sans pain et s'endormirent en tremblant sur la neige. Elles avaient froid, mais ne mendiaient pas. Elles tenaient une fleur silencieuse et jouaient tendres et malhabiles sur les chemins craquelés. Ma bien-aimée, regarde comme elles hésitent mes mains enténébrées. Comment peut-il être ouvert ce portail de lumière pour moi qui n'ai pas même connu l'ombre d'une scintillation? Lâche, je reste là dehors dans le froid et je regarde les grandes fenêtres, les roses illuminées et les cristaux, et je pense sans cesse à partir, à m'enfuir dans la nuit familière, et je pense sans cesse à venir, et sans cesse je reste là dehors, devant ta porte. Ne m'appelle pas encore, que nous prolongions ces heures-là, ces heures troubles, ces heures comblées où deux mondes se rencontrent, où deux voix profondes s'équilibrent sur une corde argentée et une goutte de rosée tressaille et oscille sur la fleur de la nuit. Ici, elle va demeurer, là, elle va tomber. Ma bien-aimée, qu'apprête-t-on pour nous dans le regard des dieux derrière cette illumination? Voilà, vous venez d'entendre en grec et en français l'un de ces 27 chants. Alors, les allusions à sa situation sont constantes. On l'entend un peu, hein, l'image des deux mains qui semblent comme deux orphelins dans la neige, dans le froid. L'image est très belle, hein, mais renvoie bien entendu à ces situations. Et puis, dans le chant suivant, par exemple, Yanis Ritsos évoque justement le souvenir de la maison morte. Par exemple, il s'adresse donc à cette jeune fille et lui dit « Tu déambules dans mes appartements poussiéreux, dans une longue robe printanière qui embaume feuilles vertes, ciel lavé de frais et ailes de mouettes. » Et puis, voici, il est ici le bureau d'ébène de l'ancêtre, qui eut des domestiques en nombre, et nombre chiens de chasse, et elle avait aimé nombre de dames souffrantes aux cils dorés et à la peau soyeuse. Sur celui-ci, j'écrivais avant ta venue des vers et des lettres
sous ce même chandelier pour des amis morts, que des mains mouillées de larmes ont tenu des nuits de veillée sans fin. Ou bien, plus loin encore, ce passage très poignant, regarde les photographies. Alors, c'est une visite virtuelle de la maison, il l'imagine, hein, qu'il ramène dans la maison de son enfance la jeune femme qu'il aime et qu'il a rencontrée au sanatorium. Regarde les photographies, la mère morte, le frère mort, et mes sœurs pâles, dans le halo des boucles, et avec un sourire lointain accroché à leur visage, ainsi qu'une cage aux canaries accrochée dans une maison pauvre où tous sont morts. Et puis, cette phrase qui est presque le symbole du rapport qu'il entretient avec le passé, car il s'agit pour lui d'achever un souvenir, d'achever des souvenirs. Je dis achever au deux sens du terme, hein, de les prolonger par l'écriture, mais aussi d'en finir avec eux. Où trouver un porteur qui déplacerait ses meubles au sous-sol? Donc il s'agit pour lui d'enterrer le passé et de construire une autre vie sur les décombres de cette enfance perdue. Il le dit encore un peu plus loin, décroche et jette par la fenêtre ouverte les cadres mélancoliques. C'est-à-dire que, à cet immense chagrin, Yanis Ritsos objecte une sorte d'enthousiasme de vie, ou une vitalité, plutôt qu'un enthousiasme, et Ritsos est en même temps un jeune homme rayonnant, paraît-il très drôle, qui était un excellent danseur, et qui va d'ailleurs, à un moment donné, danser dans un théâtre pour gagner sa vie. Nous allons aller à la fin de cette symphonie du printemps, et je voudrais vous faire entendre en grec d'abord une partie du dernier chant, qui est alors véritablement le moment où le poète délivre son message de fraternité, et vous verrez, vous entendrez que derrière ce lyrisme, cette évocation lyrique du printemps, apparaît de manière très très évidente une pensée, et une pensée politique. Άνοιξε τα παράθυρα να μπει το φως. Η ατίθαση ρηπή του ανέμου. Το αψυχνότο των μεγαλόπρεπων βουνών. Κοίτα, χαμογελάει το ανεξάντλητο μπροστά στα σταυρωμένα χεριά. Λύσε τα χέρια. Άνοιξε τα παράθυρα να δεις το σύμπαν ανθισμένο μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Να μάθεις να χαμογελάς. Δεν βλέπεις? Καθώς απομακρύνεται η άνοιξη, πίσω έρχεται η νέα μας άνοιξη. Νάτος ο ήλιος, πάνω από τις μπρούτζινες πολιτείες, πάνω από τους πράσινους αγρούς, μες στην καρδιά μας. Νιώθω στους ώμους το βαθύ μυρμήγκιασμα, καθώς φυτρώνουν όλα πιο νέα και πιο μεγάλα τα φτερά μας. Ύψωσε τα γματόκλαδα. Αστράφτει ο κόσμος έξω από τη λύπη σου. Φως και αίμα, τραγούδι και σιωπή. Καλοί μου άνθρωποι, πώς μπορείτε να σκύβετε ακόμη, πώς μπορείτε να μη χαμογελάτε? Ανοίξτε τα παράθυρα. Νύβομαι στο φως, βγαίνω στον εξώστη γυμνός, να αναπνεύσω βαθιά τον αιώνιο αγέρα με τα αδρά μοίρα του νοτισμένου δάσους, με την αλμύρα της απέραντης θάλασσας. Αστράφτει ο κόσμος ακούραστος. Κοιτάξτε! Ouvre les fenêtres. Qu'entre la lumière, l'indomptée rafale du vent, l'haleine âcre des montagnes grandioses. Regarde, l'inépuisable sourit devant les bras croisés, délie les bras. Ouvre les fenêtres afin de voir l'univers en fleurs de tous les coquelicots de notre sang, que tu apprennes à sourire. Tu ne vois pas? Dès lors que s'éloigne le printemps, derrière lui arrive notre nouveau printemps.
Le voilà le soleil, par-dessus les cités de bronze, par-dessus les vertes terres en nos cœurs. Je sens aux épaules le fourmillement intense alors que poussent toujours plus jeunes et plus larges nos ailes. Relève tes cils. Le monde resplendit hors de sa tristesse, lumière et sang, chant et silence. Mes chers semblables, comment pouvez-vous encore vous courber? Comment pouvez-vous ne pas sourire? Ouvrez les fenêtres. Je me lave à la lumière, je sors sur le balcon nu pour respirer à fond l'air éternel aux fortes senteurs de la forêt humide, au goût salé de la mer infinie. Le monde resplendit infatigable. Qu'il soit regardé. Athènes, Parnès, 1937-1938. Alors, à la même époque, plus exactement en fait un an auparavant, Yannis Ritsos a écrit ce texte intitulé « Le chant de ma sœur ». Et ce texte en dit long sur le rôle que le poète assigne à la poésie. Pourquoi ? Parce que d'abord, cette sœur est une sœur bien réelle. Cette sœur, c'est, et ce n'est pas seulement la Grèce, c'est aussi sa sœur aînée, Loula. Loula qui a joué un rôle tellement important dans sa vie. Je rappelle qu'en 1925, lui n'a que 16 ans, Loula en a 17, et ils se retrouvent comme deux orphelins, qu'ils sont d'ailleurs, dans les rues d'Athènes. Leur père a été enfermé dans un asile psychiatrique dont il ne ressortira jamais. Et Yannis Ritsos, un jour, va le voir et demande à Loula de s'épargner cette visite. Il revient en lui disant « Ne le compte plus désormais parmi les vivants. Bon, » la phrase est absolument terrible. Loula va donc jouer un rôle très très important dans sa vie, mais elle va connaître à son tour une période extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que cette jeune femme, devant la misère grandissante et la situation quasi tragique devant laquelle il se trouve, est à la recherche de solutions. Et elle pense que l'une des solutions passe par un mariage avec un homme qui lui propose de partir vivre en Amérique où ils feront assurément fortune. Elle part avec cet homme, elle quitte son frère, elle quitte aussi le jeune homme désargenté, malheureux, pauvre dont elle était amoureuse. Et aux États-Unis, elle va connaître une misère plus grande encore que celle qu'elle pouvait connaître en Grèce. Elle reviendra de ce voyage seule avec un enfant sur les bras, sans mari, brisée par l'anorexie et dévastée par une dépression qui pousse son entourage à l'enfermer dans le même asile psychiatrique que leur père. C'est pour le jeune Ritsos une situation qui est proprement insupportable. Et il va écrire ce long poème intitulé « Le chant de ma sœur » avec une sorte de rage de vivre que la photo qui date à peu près de cette époque illustre d'une certaine manière, hein, visage qui contraste avec la gravité des faits que j'énonce. Mais il va écrire le chant de ma sœur dans le même état d'esprit qu'Orphée descend aux enfers pour aller rechercher Eurydice, la femme qu'il aime, et la ramener à la vie. C'est-à-dire qu'il écrit ce poème avec l'objectif de la guérir de sa maladie par la poésie. Il y a quelque chose là, je trouve, absolument magnifique dans cette démarche, hein, de Ritsos.
Je vais vous lire dans un instant, nous allons vous lire un extrait du chant de ma sœur. Mais je dois vous dire auparavant que Lula ressortira guérie de son séjour dans cet hôpital psychiatrique, et qu'elle épousera finalement en deuxième noces le jeune homme qu'elle avait laissé et dont elle était amoureuse, et que le couple qu'ils formeront seront jusqu'au soir de leur vie extrêmement proches de Ritsos, notamment très proche du poète, notamment dans toute la période très difficile que j'évoquerai ensuite, qui est le passage par les prisons, la prison, la déportation, etc. Voilà. Alors, avant de vous lire cet extrait du livre intitulé « Le chant de ma sœur », qui lui aussi était inédit en français depuis 1937, voilà, « Le chant de ma sœur », je voudrais vous lire ces deux phrases en exergue, qui ont été placées en exergue par Ritsos. D'abord, ces deux vers tirés du livre. Ton sourire, le tien, me suffit. Et puis, cette phrase de Kostis Palamas. Alors, Kostis Palamas, c'est un poète qui est à l'époque très réputé. C'est le vieux poète grec que Ritsos admire et qui écrit ceci lorsqu'il découvre la poésie de Yannis Ritsos. Ton poème amer, l'éther et le sang des dieux le parcourent. Pur cantique de l'aube, il annonce la lumière du jour. Dans un effroi tragique sourit le rythme d'une création. Pour que tu passes, poète, nous nous écartons. Αδερφή μου, δεν είμαι πια ποιητής. Δεν καταδέχομαι να είμαι ποιητής. Είμαι ένα πληγωμένο μυρμήγκι που έχασε το δρόμο του μέσα στην απέραντη νύχτα. Αναδεύω την τέφρα των πυρπολιμένων Απριλίων και δεν βρίσκω μια σπίθα για να ανάψω την αρχαία θερμάστρα. Εσύ εζήγησες τους θησαυρούς των αιώνων μέσα στη λεπτή παλάμη σου. Εσύ εγκρέμισες τα όρη όπου αναπαύονταν οι ποιητές. Κι εγώ δεν είμαι πια ποιητής. Το ξέρω, οι ποιητές δεν ρυπαίνουν με δάκρυα τις κρυστάλλινες πολιτείες. Αγρυπνούν με το βλέμμα τους ίσο και αθόλωτο για να μετρούν τις φρικιάσεις του φωτός και τους παλμούς του σύμπαντος. Όμως εγώ, αδελφή μου, αγρυπνώ μετρώντας τους παλμούς και την ανάσα σου. Στυλώνομαι, πύργος νυκτός, μες στην ακατανόητη βοή των διασταυλουμένων κεραυνών και αγγίζω αδίστακτο στα ξύφη. Οι αψίδες του φωτός κατάρρευσαν κάπτω από τα βλέφαρά σου. Τίποτα άλλο δεν ζει έξω από τον πένθυμο κύκλο που χαράζουν στην πλάση τα μάτια σου. Δεν θέλω τα τύμπανα των θριάμβων να αναγγέλουν τη δόξα μου μέσα στα δάση της άνοιξης. Το δικό σου χαμόγελο μου φτάνει. Η κρίνη των ματιών σου μπορεί να ποτίσει τη δίψα μου και να ανθίσει τη ζωή μου. Ma sœur, je ne suis plus poète. Je ne suis pas digne d'être poète. Je suis une fourmi meurtrie qui a perdu son chemin dans la nuit infinie. Je remue la cendre des avrils embrasés et je ne trouve pas une étincelle pour allumer l'antique poêle. C'est toi qui as soupesé les trésors des siècles dans ta paume délicate. C'est toi qui as renversé les cimes où reposaient les poètes. Et moi, je ne suis plus poète. Je le sais. Les poètes ne souillent pas de leurs larmes les cités de cristal. Ils veillent avec leur regard égal et sans trouble afin de mesurer les effrois de la lumière et les pulsations de l'univers. Pourtant, moi, ma sœur, je veille, mesurant tes pulsations et ton souffle.
Je me fortifie tour nocturne dans l'impénétrable fracas des tonnerres entrecroisés et je touche résolu les foudres. Les arcades de la lumière se sont effondrées sous tes paupières. Rien d'autre ne vit en dehors du cycle funèbre que tes yeux incisent dans la création. Je ne veux pas que les tambours des triomphes annoncent ma gloire dans les forêts du printemps. Ton sourire, le tien, me suffit. La fontaine de tes yeux peut abreuver ma soif et faire éclore ma vie. Alors, ce que l'on n'entend pas forcément dans le passage que nous avons choisi de vous lire et qui n'est pas celui que vous avez sous les yeux, celui qui est en face de vous, c'est le début du livre, c'est que cette sœur dont parle Yannis Ritsos, c'est aussi, bien entendu, un symbole, une métaphore. Et c'est le symbole de cette patrie amère qu'est aussi la Grèce. La Grèce qui est aux prises avec la dictature et qui, aux yeux du poète, sombre dans la folie. Cette folie d'une sœur enfermée dans un asile psychiatrique, ce n'est autre que l'image de la Grèce sous la botte des dictateurs, sous la botte du fascisme. De sorte que le poème est tout entier à double entente. Oui, il s'agit de sauver une sœur d'un naufrage personnel, mais oui, il s'agit aussi, par une voix habilement détournée, d'évoquer la lutte pour la liberté qui sera véritablement le combat de toute une vie pour Yannis Ritsos. D'où la référence à la patrie amère que j'ai évoquée il y a un instant, mais aussi aux origines héroïques, vous l'avez peut-être entendu dans le passage, les origines héroïques de l'histoire. Si on ne comprend pas cela, cela nous échappe évidemment. C'est la Grèce des peuples défaits dont parle Ritsos, asservie par le fascisme et corrodée par les crises économiques, mais qui est capable de se réveiller, de se redresser. Comme il le dit dans un extrait que je vous ai lu tout à l'heure, au seuil de cette conférence, se redresser pour terrasser la bête avec la lance du soleil. Voilà donc la page d'ouverture de ce poème, le chant de ma sœur, dédié à ma sœur Lula, avec un vers en exergue et puis le début de ce chant. Nous poursuivons notre voyage à travers le temps et nous en arrivons quelques années plus tard aux grandes épreuves politiques qui attendent Yannis Ritsos, qui va passer, donc, je le répète, une partie de sa vie, de très longues années, soit en résidence surveillée à Athènes ou à Samos, où il a une maison, soit purement et simplement dans des camps de travail et de déportation. Alors bien sûr, ce sont des îles comme l'île de Macronissos ou l'île de Léros, où aujourd'hui les touristes pourraient considérer qu'ils sont sur un petit paradis terrestre. Mais à l'époque, ces îlots de la mer Égée sont transformés en bagnes à ciel ouvert et les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Le texte que vous avez sous les yeux, dont vous avez la couverture sous les yeux, Grécité, suivi de « Après l'épreuve », a été écrit justement au cours de cette période. C'est un texte très particulier qui a été publié il y a maintenant de nombreuses années par les éditions Fata Morgana. Quelqu'un a très gentiment tout à l'heure apporté cette édition. Voilà.
Il a été traduit par Jacques Lacarrière. Alors, Jacques Lacarrière, sans doute le connaissez-vous, c'était le grand écrivain amoureux de la Grèce. On lui doit un livre extraordinaire qui s'appelle « L'été grec ». Et puis, on lui doit plus récemment le dictionnaire « Amoureux de la Grèce » aux éditions Plon. Et quantité d'autres livres, poésies, romans, essais et d'innombrables traductions de poètes et de romanciers grecs. Jacques Lacarrière était un ami personnel de Yannis Ritsos et en 68, il a traduit l'un des grands textes de Yannis Ritsos intitulé « Romiosini », traduit par « Grécité ». Texte publié sous la période de la junte des décolonels. Texte porté à la scène par plusieurs lecteurs, notamment sous la direction d'Antoine Vitesse, dans les années 70, en France. Texte qui n'avait jamais été publié en bilingue et que je viens de reprendre. Le livre est sorti il y a quelques jours, le 22 mai, dans une édition bilingue, accompagnée d'autres poèmes écrits à la même époque, rassemblés sous le titre « Après l'épreuve », et avec des documents inédits que je vais maintenant vous faire découvrir. Alors, il faut peut-être, avant d'aller plus loin, vous dire ce qu'est cette grécité dont parle Ritsos, dans un mot qui, je crois, difficile à traduire, hein, le mot « romiosini ». On doit à Jacques Lacarrière hein, cette traduction « grécité ». Et il se trouve que Jacques Lacarrière, dans l'été grec, tente une explication du mot. Alors je vais, si vous le permettez, vous lire les explications qu'il nous donne. D'abord, vous dire que la force de grécité tient à la capacité de Yannis Ritsos de mêler deux histoires. Deux histoires, l'une ancienne, millénaire, ancestrale, celle qui nous vient de la plus haute antiquité, et l'autre très contemporaine, c'est-à-dire la crise, le fascisme, la liberté opprimée. De mêler deux histoires et de laisser cohabiter les hommes d'hier et les hommes d'aujourd'hui, les héros de l'Antiquité et les dictateurs des temps présents, les dieux la lassitude des mères et la Sainte Vierge qui s'allonge, le cite dans les myrtes, avec sa grande jupe tachée par les raisins. De sorte que Grécité est le chant d'un homme qui ne regarde devant sa porte que pour voir un chemin qui est parti de la plus haute antiquité et qui le mènera vers ce qu'il espère voir un jour, c'est-à-dire les cités radieuses de l'avenir. Au fond, Grécité est le récit d'une journée qui a commencé il y a 3000 ans. J'aime beaucoup cette expression que j'emprunte à Jacques Lacarrière, hein, le récit d'une journée qui a commencé il y a 3000 ans. On entend bien dans cette évocation que finalement il s'agit pour le poète de faire sentir à son lecteur ce qu'est l'âme d'un peuple, d'un petit peuple qui s'est toujours battu pour sa liberté et qui, à de très nombreuses étapes de son histoire, est entré en résistance. Un petit peuple vaillant et fier qui lutte, comme le dit Ritsos, pour le pain du monde entier, pour la lumière et la chanson. C'est magnifique, c'est des mots hyper simples, mais voilà. Et ce petit peuple, la souffrance ne l'a pas réduit au silence, puisqu'il a donné quelques-uns des plus grands poètes de l'humanité au XXe siècle, notamment. Alors, c'est Jacques Lacarrière donc, qui a expliqué dans l'été grec, avec des termes plus rigoureux que ceux que je viens d'employer, le sens de cette grécité. Et voici ce qu'il dit. Cette grécité, cette romiosini, dans son sens le plus large de
réinvention quotidienne de la tradition grecque, qui est à la fois magie et conscience du verbe, recherche, découverte et redécouverte d'une identité grecque, d'autant plus nécessaire qu'elle fut toujours étouffée par les tragédies de l'histoire. Elle existe, donc cette romiocinie, cette grécité, elle existe chez tous les poètes, en filigrane ou proclamée comme un Graal ou comme un fusil. En d'autres termes, c'est soit une quête de sens, la quête d'un Graal, une quête aussi de spiritualité, ou un combat, lorsqu'il s'agit de la défendre. J'aime beaucoup cette idée, hein, que la quête des poètes est une quête du Graal qui se fait parfois avec un fusil à la main. Soyez attentifs aussi à ces mots que j'ai prononcés, qui sont de Jacques Lacarrière, magie et conscience du verbe. C'est presque une manière de définir le travail poétique. La magie va au-delà de la conscience, elle est en deçà et au-delà de la conscience, mais la poésie, l'expression poétique est l'alliance des deux. Alors pourquoi cette grécité à l'heure où la Grèce est écrasée sous la botte des colonels? On le comprend aisément, il s'agit de retrouver l'âme d'un peuple opprimé, un peuple qui connaît la dictature, qui a connu l'occupation nazie, et une occupation très 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 violente, qui autrefois a connu l'occupation ottomane et qui s'en est libéré, et qui doit parvenir à maintenir une continuité en dépit des ruptures que lui impose l'histoire. C'est exactement cela que fait Rizzos. Vous comprenez, au fond, l'image de la route que l'on regarde à sa porte, ce chemin qui a commencé il y a 3000 ans et qui va jusqu'aux cités radieuses, qui peut le prendre en charge? Qui peut le raconter, sinon les poètes? Aucun homme politique ne peut faire ça. Hein, voilà. Ça semble bien évident. Donc c'est le rôle de la poésie que de raconter cette journée qui a commencé il y a 3000 ans et qui se poursuit. Alors, la question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi rééditer ce livre? Je pourrais vous dire parce qu'il était épuisé de longue date, mais ce n'est pas une réponse, vous le savez bien. Mais la réponse est simple, pour les mêmes raisons qu'on l'écrit, pour les mêmes raisons. Je pourrais vous dire les choses de façon plus percutante en vous disant 1974, les tanks, 2014, les banques. Et là, on comprend bien derrière le slogan un peu facile ce que ça veut dire. Je crois que en Grèce, mais en France aussi, j'en suis même convaincu, on n'a plus que jamais besoin de ce genre de nourriture. Alors, je vais développer ce que je veux dire par là. La crise économique, la montée des nationalismes, l'intolérance sous toutes ses formes, le communautarisme, la défiance qui s'exprime aussi à l'endroit de la politique, l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a eu, par exemple, des faits divers qu'ont relaté les journaux l'an dernier, terribles, sur des choses qui se sont passées même dans le Péloponnèse, avec des ouvriers qui venaient du Bangladesh ou du Pakistan. La corruption, la guerre, elle est à notre porte. La haine, le racisme, l'homophobie ne sont pas des menaces virtuelles, ce sont des menaces réelles. Hein. Et ben, je crois... En tout cas, c'est ce que j'essaye de dire dans l'avant-propos de cette édition. Je crois que ce sont des pierres, ou des obstacles, des embûches, que les hommes et les femmes d'aujourd'hui doivent parvenir à réduire, à fendre, à concasser. Voilà, concasser ces pierres-là, si nous voulons voir les jambes fragiles de nos enfants passer librement sur le chemin de l'humanité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, rééditer un livre comme celui-ci, ça me semble être une,
voilà, une entreprise presque de salut public. Mais bon, de toute façon, je pense que la poésie, c'est ça. Hein, j'ai déjà dit ici même qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Voilà, mais quelque part, je le pense. Ce serait bien pour les libraires. Hein. Voilà. En tout cas, il me semble, je vais aller au bout de ce que je voulais vous dire, parce que je crois que c'est important. La Grèce est un pays qui n'a pas perdu, peut-être on ne s'en rend pas compte à Athènes, mais quand on va ailleurs, dans les campagnes, on le voit bien, elle n'a pas perdu les structures de son économie pastorale, la force de traditions qui sont des traditions ancestrales. Elle est capable aussi de faire une sorte de syncrétisme entre l'orthodoxie et l'Antiquité, les dieux de l'Antiquité. Moi, j'ai déjà vu ça dans certains endroits. Elle a conservé le sens de la solidarité. Et elle apporte donc peut-être à la crise qui dévaste nos économies d'aujourd'hui des réponses que des pays plus riches sont peut-être incapables d'apporter. Ce ne sont sûrement pas toutes les réponses, mais quelques-unes d'entre elles. Voilà. Et j'ajouterais simplement que, mais ça c'est pas de moi, c'est Dianis Ritsos et on va l'entendre maintenant, le ciel ne diminue jamais un seul instant la flamme de nos yeux dans ce pays. Εδώ πέρα, ο ουρανός δεν λιγοστεύει ούτε στιγμή το λάδι του ματιού μας. Εδώ πέρα, ο ήλιος παίρνει πάνω του το μισό βάρος της πέτρας που σηκώνουμε στη ράχη. Σπάνε τα κεραμίδια δίχως αχ, κάτω από το γόνατο του μεσημεριού. Οι άνθρωποι πάνε μπροστά από τον ίσκιο τους, σαν τα δελφίνια μπρος από τα σκιαθήτικα καΐκια. Ύστερα, ο ίσκιος τους γίνεται ένας σαϊτός που βάφει τις φτερούγες του στο λιόγερμα. Και πιο ύστερα, κουρνιάζει στο κεφάλι τους και συλλογέται τ' άστρα. Όταν αυτοί πλαγιάζουν στο λιακωτό με τη μαύρη σταφίδα. Δω πέρα, η κάθε πόρτα έχει πελεκημένο ένα όνομα κάπου από 3.000 τόσα χρόνια. Κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένο έναν Άγιο, μάγρια μάτια και μαλλιά σκηνένια. Κάθε άντρας έχει στο ζερβί του χέρι χαραγμένη, βελονιά τη βελονιά, μια κόκκινη γοργόνα. Κάθε κοπέλα έχει μια φούχτα αλατισμένο φως κάτω από τη φούστα της. Και τα παιδιά έχουν 5-6 σταυρουλάκια πίκρα πάνω στην καρδιά τους. Σαν τα χνάρια από το βήμα των γνάρων στην αμμουδιά το απόγευμα. Dans ce pays, le ciel ne diminue jamais un seul instant la flamme de nos yeux. Dans ce pays, le soleil nous aide à soulever le poids de pierre que nous avons toujours sur nos épaules, et les tuiles se brisent nettes sous le coup de genoux de midi. Les hommes glissent devant leur ombre comme les dauphins devant les caïques de Skiathos, et leur ombre devient un aigle teignant ses ailes dans les feux du couchant, pour se percher ensuite sur leur tête en songeant aux étoiles. Quand ils se couchent, sur la terrasse aux raisins secs et noirs. Dans ce pays, chaque porte possède un nom gravé dans le bois depuis 3000 ans. Chaque pierre possède un saint dessiné avec des yeux farouches et des cheveux hirsutes. Chaque homme possède une sirène tatouée sur son bras gauche. Chaque fille possède sous sa jupe un buisson de lumière saumâtre. Et le cœur de nos enfants est marqué de petites croix, comme les empreintes des mouettes au crépuscule sur le sable. Voilà la partie de ce chant
moi, je trouve que c'est magnifique. Hein, c'est, je pense, un des grands textes de la poésie grecque du XXe siècle. Et je voudrais... Alors, voilà donc le début de ce texte, le premier chant. Je voudrais... Alors là, j'en ai mis beaucoup. On n'aura pas le temps de lire tout cela. Vous lire un poème tiré de la section intitulée « Après l'épreuve ». La jeune fille. Δεν είχε τίποτα άλλο για να αντισταθεί. 18 χρονών κορίτσι. Μόνο δύο χέρια λιχνά, πολύ λιχνά, ένα φόρεμα μαύρο, τη θύμιση από το ψωμί πολύ προσεκτικά μοιρασμένο και αυτό που λέγαμε πατρίδα, κρυφά μιλημένο τις νύχτες. Όταν την έριξαν μέσα στο σκοτάδι, δεν είχε φωνή να μιλήσει. Τα άλλα κελιά δεν την ακούσανε. Μονάχα το πουλί της Περσεφόνης της έφερε σε ένα μαντίλι λίγους σπόρους, ροδιού και τα παιδιά τη ζωγραφίσαν στα μαθητικά τετράδιά τους, κάτω από τη λάμπα. Μια μικρή Παναγιά σε μια καρέκλα λαϊκού καφενείου με πολλά ψάρια και πουλιά στους ώμους και τα γόνατά της. La jeune fille. Pour résister... Elle n'avait rien d'autre, jeune fille de 18 ans, que ses deux mains menues, très menues, sa robe noire, le souvenir d'un bout de pain minutieusement partagé et le chuchotement secret la nuit de ce que nous nommions patrie. Quand on la jeta dans les ténèbres, elle n'avait plus de voix. Les autres cellules ne l'entendirent pas, seul l'oiseau de Perséphone lui apporta dans un mouchoir quelques grains de grenade. Et les écoliers la dessinèrent sur leur cahier à la lueur d'une lampe, petite vierge assise sur la chaise d'un café populaire, avec une foule d'oiseaux et de poissons sur les épaules et les genoux. Voilà, et pour... terminer l'évocation de Grécité, cette lettre autographe, qui était inédite hein, jusqu'à ce jour, de Yannis Ritsos, adressée à Jacques Lacarrière. Alors je vais vous la lire hein, en français. Karlovassi, Samos, 16 septembre 1972. À mon cher ami Jacques. Voici désormais quelques jours que j'ai reçu votre lettre et les deux magnifiques exemplaires de Grécité. Je comprends, car je partage ce sentiment, votre réticence à écrire et ne me formalise pas de votre silence. Je connais la teneur de votre amitié à travers vos traductions, mais aussi à travers vos articles respirant l'attention et l'empathie. Je ne pouvais espérer plus belle rencontre, contact plus immédiat. Je ne peux que vous dire merci et vous assurer de répondre avec la même ferveur à votre amitié. Vous savez sûrement combien j'apprécie vos traductions, mais celle des 12 poèmes de « Après l'épreuve » m'a particulièrement touché. Sensibilité, justesse et précision des termes, vérité du ton, rendu du rythme. Il ne s'agit plus ici d'une traduction, mais d'une fusion. Peut-être devriez-vous traduire l'ensemble du recueil, couloir et escalier, car il vous irait si bien. Actuellement, en ce mois de septembre, Samos sent davantage l'été qu'au plus fort de l'été. Les soirs sont incroyablement calmes, une multitude de criquets et de farillons, et puis cette rumeur à la fois si claire et si mystérieuse de l'eau due au bruit de l'herbe sèche qui se brise entre les dents des chevaux. Une rumeur qui ressemble à tous les possibles ou à l'immortalité. La Grèce vous attend,
J'espère vous rencontrer ici l'été prochain. Ce serait pour moi une immense joie. Dans 15 jours, je quitterai Samos. Je rentre à Athènes. Voici mon adresse. Je serai ravi d'avoir de vos nouvelles lors de ma présence à Athènes avec toute mon amitié, Yannis Ritsos. Voilà la traduction que je viens de vous lire. Et une photo de Yannis Ritsos qui date de cette époque. Pardon. Une autre, voilà, une autre à peu près de la même époque, peut-être un peu plus tardive. Et le livre sur lequel je veux terminer cette rencontre, Les 18 petites chansons de la patrie amère, livre qui avait déjà été publié en France dans les années 75-76, je crois, et que nous avons repris avec une autre traduction. Mais vous savez que les traductions en poésie, surtout, enfin en littérature, une traduction doit toujours être refaite. Hein. Il y a toujours pratiquement une date de péremption qui accompagne une traduction. La traduction n'est jamais définitive. Et je voudrais, voilà, une autre photo de Ritsos en 72, vous dire quelques mots de ces poèmes qui n'étaient pas destinés à être initialement publiés. Alors, ils ont une histoire assez étonnante. Lorsqu'il les écrit, Yannis Ritsos se trouve en détention sur l'île de Léros, en mer Égée. Un jour, un détenu qui vient d'arriver lui fait passer un petit papier chiffonné qui est passé de main en main ou de poche en poche, de détenu en détenu. Et lorsqu'il le déplie, Yannis Ritsos découvre une lettre, une courte lettre de son ami Mikis Theodorakis, qui lui dit « Moi je suis libre, toi tu ne l'es pas, essaye d'écrire un poème populaire dont je pourrais faire un chant de résistance, une petite chanson pour notre peuple. » Et ce message qui vient de l'extérieur dans des conditions tellement particulières va agir comme un véritable détonateur sur cette incroyable, cette puissance créatrice hein, qu'est Yannis Ritsos. Je dis au passage qu'il a écrit près de 70 recueils. C'est énorme. De très nombreuses pièces de théâtre. Donc c'est quelqu'un qui est habité par l'écriture. Et donc, être habité par l'écriture, ça veut dire passer sa vie à transformer le monde, à transformer toute la vie. La vie toute entière passe dans l'écriture. Et dans les jours qui vont suivre, ou le lendemain, il va écrire, dans la même journée, 16 des 18 petites chansons qui constituent ce livre. Alors, ces petites chansons, elles seront par la suite, elles vont parvenir à sortir du camp. Mikis Theodorakis les mettra en musique. On trouve encore cet album. Hein, ça vaut la peine. Je vous ferai entendre un extrait dans un instant. Ces petites chansons, je crois que tous les Grecs les connaissent. C'est véritablement un chant de résistance. Mais l'habileté de Yannis Ritsos, c'est d'avoir déjoué le piège tendu par la censure. Vous imaginez bien que s'il avait évoqué directement la Grèce de l'époque, la Grèce des colonels, ce texte-là n'avait aucune possibilité, n'allait pas pouvoir être publié ou il aurait été brûlé. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, donc je dois vous le dire, qu'en 1936, quand il écrit Epitaphios après avoir vu la photo d'une mère sur le cadavre de son fils dans les rues de Salonique lors d'une manifestation réprimée violemment par la police, il écrit un texte qui s'intitule Epitaphios, Épitaphe, et ce texte, publié dans la presse, va être brûlé devant les colonnes d'un temple à Athènes. Tout le stock du journal, puis la petite plaquette, vont être détruites. Voilà, donc il sait ce qu'est la censure, et pour la contourner, il recourt au fond à une stratégie que les poètes connaissent bien. On pourrait faire référence pour la comprendre à Aragon, par exemple. Souvenez-vous, Aragon, pendant la Seconde Guerre mondiale, il recourt aux formes médiévales. Je dis Aragon, mais je pourrais situer Éluard ou d'autres. Hein.
Il recourt aux formes médiévales de la poésie française pour remonter aux sources d'une identité menacée et, comme le disait l'auteur des Chants d'Elsa, des Yeux d'Elsa, maintenir même dans le fracas de l'indignité la véritable parole humaine et son orchestre à faire pâlir les rossignols. C'est un peu grandiloquent, mais c'est beau, hein ? Voilà. Maintenir face à l'indignité la véritable parole humaine et son orchestre à faire pâlir les rossignols. Ça, c'est écrit dans La Rime en 1940 par Aragon. Il ajoutait « Donner corps à cette voix errante, incarner la poésie française dans l'immense chair française martyrisée. » On pourrait dire la même chose exactement pour les 18 chansons de La Patrie amère de Yanis Ritsos. C'est-à-dire qu'en fait, on pratique un art de contrebande. Et cet art de contrebande pratiqué par Yanis Ritsos consiste à évoquer non pas la Grèce des années 60, mais la Grèce qui s'est libérée de l'occupation ottomane autrefois, il y a longtemps. Et les héros, ce ne sont pas les poètes emprisonnés dans les années 60, ce sont les kleftes, ce sont les capétans, ce sont les figures héroïques qui ont libéré la Grèce de cette occupation ottomane. Alors, on avait prévu d'en lire. Non, on va le faire entendre. Vous préférez le lire ? Voilà. Alors, on va en lire 2 et 17 et 18. Ο Ταμένος. Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά, σωπαίνουν οι καμπάνες. Σωπαίνει και ο μικρός Ρωμιός μαζί με τους νεκρούς του. Και πά στην πέτρα της σιωπής, τα νύχια του ακονίζει, μονάχος και αβοήθητος, της λευτεριάς Ταμένος. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει, με το σουγιά στο κόκαλο, με το λουρί στο σβέρκο, νάτι, πετιέται από ξαρχής και αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Voilà, ce sont les deux dernières chansons. Alors, celle-ci, vouée à la liberté. Ici se taisent les oiseaux, et les clochers se taisent. Le grec aussi tait sa douleur ensemble avec ses morts. Et sur la pierre du silence, il aiguise ses ongles, solitaire et sans secours, voué à la liberté. Et puis, ce texte que je vous ai lu tout à l'heure, « Ne pleure pas sur la Grèce quand elle est près de fléchir avec le couteau sur l'os, avec la laisse sur la nuque. La voici qui déferle à nouveau, s'affermit et se déchaîne pour terrasser la bête avec la lance du soleil. » Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει. Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό, με το λουρί στο σοφέρ.
έχω. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις, να τη πετιέτε, να τη πετιέτε, να τη, να τη, να τη πετιέτε. Να τη πετιέτα από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Voilà, merci, merci à vous.